Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dialogue Online. Donc on va continuer notre aventure avec notre Khajiit, hein. Donc vous pouvez voir que j'ai un deuxième personnage, hein, qui est un templier impérial, que je me suis amusé à faire un petit peu. Ça a l'air sympa de jouer templier tank, donc qui soigne aussi avec de la magie, hein. Donc je mets tous mes points en magie avec lui, mais bon. Au départ je pensais qu'il fallait que je te mette toi en vie, mais apparemment non, j'ai été voir un petit peu sur internet. Tous les gens qui disent pour jouer templier, faut mettre un templier comme moi je voudrais faire, templier tank heal, bon, qui peut s'auto-heal quoi, c'est mettre de la magie. Et donc voilà. Donc il y a la nouvelle extension du jeu qui est sortie aujourd'hui que je n'ai pas, donc Morrowind, que je n'ai pas pris, pour la simple et bonne raison que je suis trop nouveau, pour moi, je pense sincèrement que je suis trop nouveau sur le jeu pour acheter mon Morrowind. Dans le sens où, si ça se trouve, dans deux mois, vous voyez, j'en ai marre, j'arrête de jouer. J'arrête de jouer à le jeu, si ça se trouve, dans deux mois. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'en sait rien, on sait jamais ce qui peut se passer. Si je vois qu'au long terme, bah, je m'amuse, que je continue à jouer, à ce moment-là, pourquoi pas, à ce moment-là, l'acheter avec plaisir, avec grand plaisir pour ce jeu. Donc donc on a toujours notre arc, hein, oula, il y a des petits trucs qui frisent. Je joue avec l'arc et comment dire ça, et les doubles dagues. On a les gens qui chargent pas. On a les gens qui commencent à apparaître en fait petit à petit. On voit qu'il y en a pas mal qui ont pas encore chargé. Je voudrais regarder, putain, par contre tout est rouge quoi, ça me fait chier. Parce qu'il y a plein de trucs en fait, c'est de l'armure moyenne, armure moyenne, 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 moyenne. Ok. Ah ça c'était mon gilet en peau ça, que j'avais crafté. Je suis curieux de le tester, de toute façon si c'est ça, je vais le vendre donc Ouais, il est sympa, mais bon, on a une meilleure armure pour le moment. Alors, où est mon armure maintenant? Je ne sais plus. C'est ça, ouais. Voilà, on est que niveau 8 au niveau de la couture. Je sais pas combien de temps ça prend. Donc, vous pouvez voir aussi que je n'ai plus vraiment d'addon pour la simple et bonne raison que mes add-ons, bah, ils sont plus à jour vu que c'est une nouvelle version. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, là, obsolète, tout est obsolète, à part un moteur grid view qui est mis à jour assez vite, et un truc pour voir dans la logique des choses, ça montre en fait si je vais pêcher du pêchon, hein, attention, ça marquera à tel endroit il y a autant de poissons, il y a tel ou tel poisson que je peux avoir. Donc, j'ai un petit peu avancé aussi dans les quêtes des guildes, hein, des guerriers, guildes des mages. J'ai fait 2-3 petites quêtes dedans, sympathiques ma foi. J'en suis pas très loin. Sinon, ah oui merde, il va y avoir un problème. Il va y avoir un souci. Ah, il faut que j'aille parler à Réa, donc par là. Parce que en fait, vu qu'on n'a plus la minimap ni le truc qui montre les quêtes sur la carte, ben voilà, c'est un peu foiré. Donc j'ai upgrade aussi mon jeu vers la version impériale. Donc j'ai un impériau, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, avec qui est un templier. Parce que je me dis tiens, pour aller ça peut être sympa, de toute façon. De toute façon j'avais de quoi, on va dire. Donc je me suis permis de le faire. Juste de mettre sur le live que je joue à Dialogue Score Online. Dans le chic chose c'est déjà mis, mais je préfère être sûr que ce soit fait. Dans le cœur des enfants. Non, j'ai quand même c'est pas ça la musique. Bon, il faut que j'aille parler à Réa. Réanimation. Ouh, on crache des boules de feu alors. Il y a du lin ici. Donc j'en profite aussi, hein, je récolte vraiment tout ce que je vois, même si j'en ai pas besoin, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai déjà expliqué, bah,
je suis en TSO, en SO+ pendant un mois. Donc ce qui fait que bah autant en profiter et récolter le maximum d'affaires tant que je peux le faire. Savoir que je peux en buter. Hein. C'est tentant. Ça donne envie. Quand vous savez que vous pouvez les buter, genre... je peux pas le buter parce qu'apparemment on lui parle. De toute façon, il y a quelqu'un à côté, donc même si je le buterais, bah, on me verrait le faire. Donc c'est pas trop cool. Regardez, genre lui, je peux le tuer, voilà, faire ça, hop, voilà. Et en plus, il y a des trucs, hop, un mouchoir. Voilà, je suis divin ni connu, je suis invisible. Bon, on prend le livre, voilà. Oups! J'ai glissé, désolé. Comment ça, j'en profite de pouvoir le faire? Faut pas de quoi vous parler. Ah, allez, on peut pas. Bon. Enfin, Morrowind n'est pas sorti, il est en accès anticipé si je me trompe pas. Bon, faut aller vers Dagfilant. Allons vers Dagfilant pour faire cette quête qu'il nous demande de faire. Donc on est à la Glenumbry. La région la plus à l'ouest de Haute-Roche abrite la cité des états de Dagfilant et Camlorn, le grand cimetière de Kalt. Les instances de groupe auront toujours cette icône à côté de leur nom. Ah. Il n'avait pas apparu. Donc... faut que j'aille parler à... Ah putain, il faut que j'aille si loin. Bon, il doit y avoir des quêtes dans la ville, on va faire des quêtes dans la ville. J'aurais bien besoin. Je me déteste. Ah, je me hais. Quand je fais des trucs comme ça, je... ah, je mériterai des claques, hein. Je voudrais ma copine, vous direz bien, frappe-moi un coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça ne s'utilise pas. Regardez-moi cette lumière du phare. Ce jeu est magnifique, hein. Oui. Ça, c'est censé être la personne qui s'occupe des chevaux. Quelqu'un l'a tué, apparemment. Semblerait-il. C'est pas par la merde. Je cherche, en fait, comment passer... En fait, je vais faire 2-3 quêtes qui sont ici, en même temps. Je toujours mon singe qui suit. Ah non, oui, c'est vrai que j'ai plus mon singe, c'est un loup maintenant. Enfin, un genre de loup. Qui est d'ailleurs, ma foi, très très classe. C'est toujours pas par ici, hein. Ça perd les popettes. Je suis paumé. Je peux me permettre de regarder aussi un coup, voilà. Je suis totalement paumé, hein. Je crois que ça se voit un petit peu. Juste un peu. Ah, semblerait-il qu'il y a 2-3 quêtes. On va monter. Voilà un peu le son. Il y a des quêtes. Bonjour. Maudits voleurs de... Des voleurs. Ils ont envahi Dagfilant. Ah, les salauds. Ils volent tout ce qui n'est pas solidement attaché. Ah. Ils ont même volé mon bétail. On vous a volé quelque chose? Bah oui, ton bétail, on va te le dire. C'était du grand banditisme. Et je sais qui a fait le coup. C'est Lafon qui a volé mon glouton. Ah. Il mourrait d'envie de planter la fourchette dans ma bête de concours pour le servir en ragoût dans sa maudite auberge. Glouton a disparu, et c'est signé Lafon. Vous l'avez signalé à la garde? On m'a dit d'en parler au magistrat, mais ça prendra trop longtemps. Ce pauvre glouton, ses jours sont comptés. Glouton, c'est un porc. Que quelqu'un le sauve avant qu'on le transforme en jambon. Ah, effectivement, ça, c'est du porc. Je peux retrouver votre cochon. Alors, parlez à Grégoire Lafon. Grégoire Lafon qui se trouve dans les bâtiments juste ici. Donc on va y aller. Voilà. On est poli. Diamant rouge. Je préfère quand c'est les femmes qui chantent. Pas vous le cacher.
Bonjour, Grégoire. Bienvenue au Lion Heureux, ami. Installez-vous, je vais vous servir une bonne eau de vie. Wiccan le porcher a dit que vous pourrez m'aider. Est-ce qu'il a encore raconté que j'ai volé son satané cochon? Ouais, un peu. C'est pas moi. Pas cette fois, ni la dernière, ni une autre. Vous voyez un cochon grillé par ici? Glouton a encore dû s'échapper pour gratter le sol des allées. Est-ce que Glouton va souvent dans les allées? Chaque fois que ce cochon s'enfuit, Wiccan m'accuse de vol. Chaque fois. Quelle plaie. Vous n'avez qu'à regarder dans les allées du nord-est de la ville. Plus tôt vous le trouverez, plus tôt Wiccan la fermera et me laissera tranquille. Oh, je vais y aller. Allez-y. Je suis sûr que vous trouverez ce misérable cochon à traîner dans les allées au nord-est. Bon, et toi, t'as quoi en fait? Des appâts simples, ok. Des trucs de réparation, ok. Voilà, ils ont l'air... Puis-je m'asseoir? Non, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez, mocheté? Oh, dites encore que je suis deux et vous combattrez en faisant le poirier, hein. Vraiment? Eh ben, d'après moi, vous pourriez être un indomptable. Ah, les indomptables, c'est quoi? Une bande d'aventuriers qui partagent les mêmes valeurs. On est tous en quête de gloire et de richesse. Ça vous parle? S'en dites quoi? Vous voulez rejoindre les indomptables? Ouais, on peut gagner du fric, donc oui, je veux bien le devenir. Vraiment? Il vous faudra affronter les plus gros monstres de tout Amriel. Il faut du temps. Ah, j'ai pas peur. Alors, bien. Ah, une nouvelle ligne de compétences, indomptable. Je pense que vous serez parfaitement à votre place, une fois que vous aurez fait vos preuves, bien sûr. Il vous suffit de trouver la caverne de 13 fuseaux, celle qui est pleine d'araignées. Oh non, pas des oreilles, les salauds. Si vous parvenez, revenez me voir, et on officialisera tout ça. Au revoir. Pourquoi les araignées? Alors, ça donne quoi, cette ligne de compétences indomptable, la guilde? Indomptable. Invoque une fontaine de sang qui applique vol de vie mineur. Ouais. Toi, là, en train de projeter des filaments de soie d'araignée pour piéger les cibles. Et là. Ma foi. Bon, de toute façon, je pense que dans la soirée, je pense que tous les add-ons seront remis à jour. Je dis, moi, je fais ça. Je joue à mon aise. Parce que bon, j'ai une personne il y a pas longtemps qui, dans les commentaires, qui a fait « Oui, voilà, tu n'as pas de vue. » Bonjour Glouton, le cochon a englouté un gros morceau de la ronce étrange et épineuse. Dans quoi est-ce que t'es allé te fourrer le cochon? Le cochon vous jette un regard avant de recommencer à manger. Il dévore les racines tendres avec un enthousiasme étonnant. Je vois d'où tu tiens ton nom. Que faites-vous auprès de cette ronce? Quoi qu'il en soit, vous ne vivrez pas assez longtemps pour parler. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, c'est vrai que ces ronces sont extrêmement bizarres, hein, parce que c'est quand même des ronces qui bougent, hein. Je sais pas si le mec se l'est de remarquer, enfin, je suppose que c'est pour ça qu'il m'a attaqué, mais bon. Il doit y avoir quelque chose de louche dans cette truc. Putain, mais regardez, c'est encore une blague, hein. Et vous, quand je le dis, on me croit pas. Mais à chaque fois que je joue, il se met à pleuvoir, hein, quasiment. À chaque fois que je suis en live, il se met à pleuvoir, quasiment. C'est genre quasiment tout le temps comme ça. Hop. Bonjour, porcher. Vous l'avez trouvé? Oui. Vous avez trouvé mon merveilleux petit glouton? Oui. Votre cochon était dans une allée. Il mangeait une drôle de ronce. Je parie que Lafon le cachait ici jusqu'à ce qu'il puisse transformer ce pauvre glouton en côtelette et en rôti. Mais à présent, mon cochon de concours est de retour. Je pense pas que ce soit Lafon qui ait quelque chose à voir avec ça. D'ailleurs, j'ai déjà vu des ronces comme celle-ci auparavant. Lafon est coupable de quelque chose, j'en suis sûr. Oh, mais putain, pourquoi vous me soucierez de drôles de ronces? Parlez-en à Zagush près de la guilde des mages si ça vous intéresse. Il connaît les plantes. Il m'a vendu des herbes la fois où Glouton a mangé quelque chose qui l'a rendu malade du ventre. Ah, malade du ventre, d'accord. Il y avait une gastro, quoi. J'en parlerai à Zagush. Malade du ventre. Mais malade du ventre, mais... Il est malade de la tête, ce mec. Alors, où il est? Ah bah. Bonjour, vous êtes Zagush Bajeshwet? Ah, une nouvelle tête. Vous êtes ici pour une raison en particulier ou juste pour dire bonjour? Bah déjà pour dire bonjour, je suis poli. Wiccan m'a dit que vous pouvez m'en apprendre un peu plus sur l'étrange ronce épineuse. Une ronce étrange, très épaisse et couverte de piquants, dans ouais. La ville. Ouais. Fils de troll. Ah. J'ai vu des ronces de ce type dans le nord.
Elles sont en rapport avec la secte de Sangrépine. C'est un signe que la secte corrompt le territoire. Prenez garde à ces ronces. À chaque fois qu'elles apparaissent, le culte de Sangrépine n'est pas loin. J'ai des questions à propos des ronces. Bien, perdez pas de temps. Posez vos questions. J'ai pas toute la journée. Dites-moi en plus sur le culte de Sangrépine. Ce sont les bases de la mort menée par Angoff, le champ de tombe. Okay. Le crevassé maudit. J'ai entendu dire qu'il causait des problèmes au nord de la Glénombrie. Ils sont de plus en plus audacieux à Dagphilan. Qui Angoff, le champ de tombe? Angoff est un crevassé, un de ces sauvages maudits de la frontière de Bankorai. Mais ouais, il est plus que ça. C'est un nécromancien. Il l'appelle champ de tombe parce qu'il a passé un pacte avec le prince d'Edra, Molag Bal. Ah, dites-moi en plus un peu plus sur ces ronces. Angoff et le culte de Sangrépine les utilisent dans un but néfaste. Si vous voyez les ronces, ça signifie généralement que le culte est actif dans cette zone. Ah. Les ronces répandent un poison maléfique dans le sol. C'est une substance haineuse qui tue tout ce qu'elle touche. Donc, normalement, le cochon va crever. Dans la logique des choses. Alors. Faut que j'aille dans le truc de Tréfossro là, je sais pas quoi. Putain, ça se trouve tellement loin. Mais d'abord, on va aller voir par là, il y a un truc qui m'intéresse. Je sais pas si on peut passer par, par là, il n'y a pas l'air, non. D'ailleurs, sur mon Templier, je n'ai pas ce cheval-là, j'ai le cheval blanc de Napoléon. Non, je déconne, le cheval blanc des... Oula. Un chien qui me fonce dessus avec une quête, bonjour. Le chien, j'ai mis avec, qu'est-ce qu'il y a? Le chien regarde la route, puis vous regarde comme s'il voulait que je vous suivais. Très bien, en route. Vas-y, je te suis. Bon ben on suit un toutou alors hein. Ah, y en a toujours que certains qui sont bloqués. Quand ils regardent des gens courir, il y en a toujours quelques-uns qui courent en fait sur leur cheval, c'est assez bizarre. Oula, où est-ce que tu m'emmènes toi, dis donc? Il y a de l'éclairage déjà. Inconscient, votre intrusion ne sera pas tolérée. Allez, liste des commissions du marché de Dagphilance. Maraîcher, 3 oranges sanguines, tailleur, une cape frappée à l'emblème du croissant, fleuriste des roses noires épineuses. Semblerait-il que je ne dois plus suivre le chien, mais que je dois y aller parler au fleuriste, à l'épicier et à l'autre. Donc allons au marché de Dagphilance qui doit être juste en face. Hein. Ouais, il est juste en face, magnifique en plus. Christophe Lamont, encore à Lamont? Vous ne trouverez pas meilleurs fruits et légumes à Dagphilante. Je vous le garantis. J'ai trouvé cette liste. Avez-vous 3 oranges sanguines? Écoutez, je ne veux pas d'ennui. C'est une phrase utilisée par les espions du roi. Ça veut dire que quelqu'un veut être assassiné. Je ne veux pas en savoir plus. Laissez-moi en dehors de ça. Je dois en savoir un peu plus à propos... Non, attends, d'abord, les espions du roi. Vous savez, les yeux et les oreilles de Dagphilante. C'est ainsi que le roi Casimir est au courant de ce qui se passe en ville. Mais ça reste entre nous. Je dois en savoir plus à propos de quelques autres phrases. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Allez vous faire voir avec vos questions. Je ne suis pas impliqué. C'est plutôt quelque chose qui intéresserait Roy. Qui est Roy? Vous êtes vraiment tenace, pas vrai? Ouais, un peu quand même. Roy est un ami, je lui fais confiance. Je ne fais pas confiance aux gens que je ne connais pas. Comme vous. Dites-moi en plus sur vos activités. Je vends les meilleurs fruits et légumes de Dagphilante. Ah. Plein de gens passent. Je parle, j'écoute, et ensuite je dis tout à mes amis, comme Roy. Et les autres gens? Peut-être qu'ils devraient décider quoi faire, maintenant qu'ils en savent tant. Au revoir. Voilà, comme ça je prends le livre. Vous avez des jolies plantes. Achetez les fleurs.
Un bouquet somptueux pour conquérir les faveurs d'un cœur apprend ? Pas aujourd'hui. J'ai trouvé un corps dans l'eau près de la route du moulin. Il portait cette liste. Oh, c'est... Quel dommage. C'est un vrai bazar. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vais prendre un risque. Ah, parfois, j'entends des choses étranges. Comme ce qui se trouve sur cette note. Des roses noires épineuses. Ouais. J'ai entendu des murmures à propos de magie noire naturelle. Pile le genre de choses que Roy, votre cadavre, aurait trouvé intéressantes. Ah, c'était lui, Roy. Comment Roy a-t-il été mis là, tout ça ? Je ne sais pas. C'est simplement ce que Roy faisait, il découvrait des choses. Dag Filant a bien des yeux et des oreilles. Après tout, l'information coûte moins cher que la guerre. D'accord, donc Roy, c'est la personne qui est morte. Donc, bah, lui, on peut pas vraiment aller le... On peut pas vraiment l'aider. Putain, je cours aussi vite que cheval. Je suis trop rapide. Bonjour, vous êtes le tailleur. Un ensemble tout neuf, ça vous intéresse ? En soi, peut-être. Personne ne repart de ma boutique les mains vides. Je cherche une cape frappée du croissant de lune. Je crains qu'il ne soit pas à vendre. Le croissant de lune est sur les armoiries de la famille Casimir, les dirigeants de Dag Filant. Pourquoi un mort écrirait-il ça sur sa note ? Mort ? Un gars robuste avec un chien ? Ouais. C'est Roy. Enfin, c'était Roy. Navré qu'il soit mort, mais ce n'est pas surprenant. Si vous parvenez à trouver ce que Roy savait et qui l'a tué, je suis sûr que quelqu'un vous récompensera. Ça m'intéresse alors. C'est aussi une bonne façon de vous faire tuer. Ah, ça m'intéresse un peu moins. Bon. Dites-moi un peu plus sur Roy. Roy était un brave type, loyal envers Dag Filant. Les gens lui faisaient confiance. Même ce vieux chien l'aimait. Apparemment, oui, effectivement, vu qu'il m'a ramené à son corps. Vous et Roy étaient de bons amis ? Je pense. J'aimais bien Roy. Il faisait attention aux marchands du coin, et en échange, nous l'aidions. Je laissais traîner l'oreille et transmettais à Roy ce que disaient les gens. Si nous lui disions quelque chose d'important, Roy s'assurait que les bonnes personnes soient informées. J'ai découvert la signification de tous les items de la liste. Où dois-je le signaler ? Si un crime a été commis, parlez-en au capitaine Aressine. Il est chargé de la sécurité de la ville, alors c'est la personne à voir. D'accord. Il se tient d'habitude près des grands escaliers, derrière la guilde des mages. Il aime garder un œil sur les abords du château. D'accord. T'as quoi à vendre en fait ? Enfin, ou plutôt j'ai quoi à te vendre ? Ça, le bâton là. Ah, ça c'est cool, ça serait vraiment cool pour être utilisé. Voilà. Faut que je me vide un petit peu en fait, hein. Je suis bien trop rempli. Merde. Bon, tant pis. Pourquoi j'ai ça ? J'ai un tampon de peinture, c'est peut-être que j'ai cliqué dessus sur le volant la dernière fois, je sais pas. Tiens, je te le vends, c'est cadeau. Et j'ai un serment de Mara aussi. C'est assez spécial. Donc les emplacements de Mara apparemment c'est pour ce... Par contre comme j'ai des... Ah oui mais c'est juste j'ai des rebuts mais je n'ai plus le truc qui les vend automatiquement. Pour les moments du moins. Alors... On va aller parler au capitaine. Vu qu'on n'en est pas très très loin. C'est quand même pour le moment... le plus important à informer. On va aussi aller, c'est un coup comment dire ça, à l'endroit là des, ça, l'écurie pour augmenter, pour faire monter un coup mon niveau de mon cheval quoi. C'est en plus à la sortie. Hey, vous êtes en vie. Alors, c'est ici l'écurie. Si vous voulez un cheval. Je voudrais augmenter sa vitesse. Compétence d'équitation, vitesse augmentée de 1 à 2. Ah, maintenant ça marque ça. Non, je croyais que tu veux rappeler quelqu'un, mais non. Plus tard, plus tard. Si je commence à refaire 4 avec 4 avec 4 avec 4, je vais de nouveau me perdre.
Personne ne se préoccupe des mendiants. Non, effectivement. D'ailleurs, je te laisse dans ta merde. Alors, je viendrai l'aider plus tard. C'est dangereux ça. Il faudrait franchement que j'arrête de descendre d'un cheval comme ça. Hop, bonjour, capitaine Arésin. Bienvenue à Dagfilant. Circulez. J'ai des informations de la part de Roy. Roy ? Où est-il ? Pourquoi vous a-t-il envoyé à sa place ? Roy est mort, j'ai trouvé cette note sur son corps. Mort ? Par les mains de Mara. Ah, comme tu dis. Laissez-moi regarder cette note. C'est bien notre code. Un pratiquant de la magie noire projette d'assassiner le roi Casimir. Mais qui est derrière ça ? Je dois en savoir plus. Je peux en apprendre plus. N'essayez pas de me prendre pour un idiot. Mais comme Roy est mort, je n'ai pas vraiment le choix. Parlez à Grena Gracoche à l'auberge du Lion Heureux. Si Roy suivait une piste, elle saura quoi faire. Trahissez-nous et... elle saura aussi quoi faire. C'est... dangereux apparemment. Je vais aller parler à Grena. Et tout ça parce que je suis un... Au nom du roi. Tout ça parce que je suis un Khajiit, t'as pas confiance en moi ? Oui. Au nom du roi. Je pourrais tellement la buter et récupérer des trucs. Où elle est maintenant celle-là? C'est à la sortie de ce bâtiment. Donc on y est tout près, hein. Il y a de l'électricité là-haut. Bon, vous êtes Grena? Je suis occupé à boire, ça se voit pas? Le capitaine Arésin m'envoie. Et alors? Pourquoi on discute? Roy a découvert un complot d'assassins. Par Malakat. Roy a marché dans un nid de serpents cette fois. Mais il est mort. Il pourrait savoir quelque chose. Je le confonds très bien, mais il me connaît. Peut-être qu'un étranger comme vous pourrait le faire parler. Je peux m'en charger. Vous en voulez? Comme Roy. Allez en haut. Trouvez l'évêque et tabassez-le. Mais le tuez pas. On pourrait avoir besoin de lui plus tard. Ne me mentionnez pas. Je suis pas un agent de la couronne. Juste une orque qui sirote sa bière. Ouais, effectivement. Je ferai mon possible, alors. Il n'y a rien à faire. Je préfère quand même quand c'est la femme qui chante que quand c'est le garçon. Alors, Stephen. Vous ne pensez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Je suis prêt à ignorer tout ça en échange d'informations. D'accord. Je vais vous dire tout ce que je sais. Vas-y. Martel Lerino m'a engagé. Il vit à côté de l'auberge, dans le grand manoir. Je suis maçon, voyez-vous. Martel voulait que je dresse la carte des tunnels sous Dagfilant. Quel tunnel? Les passages secrets qui mènent au château. Mais je ne sais pas ce qu'il prévoit. Je le jure. J'avais simplement besoin d'argent. J'ai des ennuis à régler à haute voix. Restez ici. Tu restes ici. Et je promets peut-être de pas te tuer. Je suis pas sûr que je te tue pas. Ça s'équipe ce truc là? Je m'étais dit que ça s'équipait peut-être. En plus je gagne cette pièce d'orbe, c'est magnifique. Alors... je prends les trucs à voler que je peux transformer ici parce que bon... voler des équipements, je crois que ça va pas se mettre dans le même truc. Alors, Grenam, j'ai des infos à te passer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque avait de la protection. J'ai cru entendre des bruits à l'étage. Mais vous avez pas l'air amoché. Ce
serpent de l'évêque est encore en vie? Oui, il a donné des informations sur les passages secrets menant au château de Martin le Rigneux. Martin le marchand? Ouais. On doit tout savoir. Pénétrer dans le manoir le Rino. Chercher tout ce qui peut mettre en lumière ce qu'il prépare. Je vais rester ici et garder un œil sur l'évêque. Alors amenez directement ce que vous trouverez au capitaine Aressine. Entendu. Alors, où dois-je aller? Par là. Pourquoi continuer ainsi? Par ici, apparemment. Nous rentrons dans le manoir le Rineux, vu qu'apparemment on doit faire ceci. Alors, semblerait-il que c'est en haut. Avec son petit accordéon, ouais, ouais, t'es mort. Ah oh, bon ancien. Voilà. L'obsidienne. Prenons. Les livres, hop, voilà. Alors, la note de Véric. Alors, Martin, vos navires sont plus qu'adéquats pour transporter nos agents. Vous n'avez qu'à livrer votre cargaison. Une fois la nuit tombée, nous sortirons des caisses et nous employerons les cartes de l'évêque pour nous approcher du roi Casimir. Angov sera ravi du chaos engendré par la mort de Casimir. Sans chef, les forces armées du royaume n'offriront que peu de résistance aux sangrépines. Nous subjuguons facilement le sud. Subjuguerons plutôt facilement le sud et la Glénubrie sera nôtre. Soyez assurés que votre loyauté envers d'autres causes sera amplement récompensée. Arrangez-vous pour que personne ne touche à ces caisses. Les agents qu'elles dissimulent doivent y rester cachés jusqu'au bon moment. Si elles sont découvertes, je ferai la besogne moi-même. Et ensuite, je m'occuperai de vous. Ne vous faites pas de beau, Véric. Alors. Je me permets, hein. Je rentre, je vois le ski à voler. Il y a des épées. Ce que je pourrais faire aussi, c'est avoir une épée dans... Enfin, vous allez dire, là, je joue deux dagues. Mais je pourrais jouer épée dague ou épée, ou alors masse épée ou des trucs comme ça. Ça serait largement possible que je le fasse. Disons que pour le moment, je reste double dague. Ça me semble plutôt cool. Ça me fait toujours rire quand tu les fais tomber comme ça avec un coup de blocage, ça fait vraiment tout. Honneur et acier. Mais encore ? Alors, recette blanc de poulet utilisée, hop, voilà. Pour les chevaliers du roi. Oui, oui, oui. Où est-il ? Vous avez pas vu, vous avez rien vu, hein. D'accord, hein. Pour la plupart, les membres de la famille royale sont à l'abri. Mais sa seigneurie est courageuse. Et entêtée. Ouais, il refuse de quitter la salle du trône. Ah. J'ai besoin de plus d'informations pour le convaincre qu'il est en danger. Le complot vise le roi Casimir. Les assassins sont cachés dans les caisses de marchandises sur les quais. Sa seigneurie? Oui. N'ébruitez pas la chose. On va éviter. Ou nous ne trouverons jamais les assassins à temps. On va essayer. Que les divins nous aident si le roi meurt.
ça pourrait sonner la fin de l'Alliance. Ouf, à combien la quête ? J'ai pris toutes les protections possibles pour protéger la famille royale. C'est bientôt niveau 20, hein ? Mais le roi refuse de faire profil bas. Il faut trouver ces assassins. Je vais chercher dans le port. Bien, allez parler à Sazana Ad Abbas. Ah. C'est elle qui dirige les quais. D'accord. Dites-lui ce que vous avez découvert et elle vous aidera au mieux. Et maintenant, faites vite. La vie du roi est en danger. Je vais parler à Sazana. Est-ce que c'est haut ou pas? Toi, t'aurais jamais dû être tout seul, toi. Ah bon, bah lui, je peux pas le buter. J'espère que je perds pas mon temps. C'est bon. C'était un peu haut, quand même. C'est tout juste, hein. Je veux pas dire, mais c'était corsé, hein. Bon, alors, c'est toi, Sazana Al-Abbas. Je n'ai pas le temps de discuter, sauf s'il s'agit de chargement. Je suis très occupé. Le capitaine Arezin m'envoie, le roi est en danger. Les assassins sont dans mon port. Ouais. Trouvez ces serpents et tuez-les. Mais en silence, je ne veux pas provoquer la panique. D'accord, pas de soucis. Je vais alerter les gardes. Si un de ces conspirateurs vous échappe, nous le tuerons. D'accord, pas de soucis. T'inquiète donc pas, moi le silence ça va, c'est... Ouais, le silence, ça fait... C'est une grande histoire. Ah, ça, ça, tu sais, hein. Alors. Semblerait-il qu'il faut que je fasse attention dans ces endroits-ci. Qui doit être dans les environs. Donc faisons attention, on va risquer de tomber. Bon bah j'ai donné deux coups dedans, la quête ça c'est fini pour ce truc là. Ah moi c'est, je vais pas m'en plaindre hein. On me fait une quête facile hein. Moi j'ai donné deux coups d'épée et hop ça y est, voilà votre quête est validée, vous n'avez plus qu'à rentrer dans le château de Dagfilante. Mais pas vite lui dis donc. Que voulez-vous ? Rien. Je veux juste aller voir son sa majesté le roi. Et il se trouve que je suis sur la bonne direction. Moi je m'abuse, je donne 2-3 coups de temps à autre, ça me fait gagner de l'XP. Au nom du roi. Au nom du roi, du fils et du Saint-Esprit. Ah non, c'est pas ça. Alors, le château de Dagfilante, entrons-y. Allons donc voir. Ouh, ça a l'air d'être un endroit assez grand puisque ça charge. Ce château est le siège de la dynastie d'Elaine. Celle des dirigeants actuels de la cité d'État de Dagfilante. Et cela fait longtemps qu'il surplombe la ville depuis sa position imprenable tout en haut des escaliers, je suppose. Il existe ça un niveau de qualité pour les objets représentant par les couleurs blanc, vert, bleu, violet et or. Ok. Donc trouver le roi Casimir. Ouais, pas de soucis, ça va. Si je peux en plus me permettre de voler, c'est avec grand plaisir, dis donc. Hop, une citrouille. Ouais, on arrête de grogner, ça va donner. Victoire ! Oula, attends. Vite ! Partez ! Nous nous en chargeons ! Faites le tour ! Un lézard avec une couronne. Attendez, il faut que j'aille protéger le roi. Personne ne se dresse en travers du chemin d'Andorre. Ah,
Ah ouais, y a pas de problème, hein. Si t'aimes bien prendre des dégâts là-dedans... Allez, meurs! Le roi s'est enfui par les escaliers. Faut que je te parle. Faut peut-être temps que tu t'enfuis, toi, Capitaine, non? Capitaine, j'ai peine à l'admettre, mais je souhaiterais vous présenter mes excuses pour avoir ignoré vos avertissements. En fait, c'est débile. Je vous en prie, ne vous excusez pas, mon roi. Et pardonnez plutôt mon impertinence. Trêve d'excuses, Arécine. Levez-vous, je vous prie. La garde et les chevaliers devront prêter main forte à notre ami mandaté par Dagphilante, si présent. Oh! Bien sûr, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour mettre la main sur Angoff et comprendre ses motivations. Dagphilante est derrière vous, héros. L'inquiétude du capitaine était fondée, il me semble. Ouais, ben oui. Ce jour, vous m'avez sauvé de la lame de cet assassin, ainsi que de ma propre stupidité. Ah oui, t'as été débile, hein, mais j'ai fait ce que j'ai pu. En effet, comme le prouve le cadavre qui gît sur mon plancher. Qui était cet homme venu pour me tuer? Que voulait-il? Ben, l'assassin n'était autre que Véric, mais il travaillait pour un certain Angoff. Angoff? Oui, Angoff. J'ai déjà entendu ce nom de la bouche de mes agents. Le maître des espions royaux m'informe que cet Angoff a semé le trouble dans mon royaume, mais nous n'en savons guère plus. Il voulait semer le chaos en vous assassinant. Semer le chaos relève du stratagème, pas de l'objectif. C'est un moyen, pas une fin en soi. Oui, effectivement. Cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Nous devons découvrir le fin mot de l'histoire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Ah oui, ami. Je vous confie une dispensation spéciale pour enquêter sur le criminel Angoff en mon nom. Mais faites-le discrètement. Nous ne voulons pas dévoiler notre jeu. Mais je n'oublierai jamais le service. Pourquoi tu me donnes toujours des épées à deux poings? Il me donne toujours des épées à deux mains. Vous êtes des salauds, en fait. N'aimez pas les gens qui utilisent des dagues. Alors hop. En plus j'ai obtenu un point de compétence, donc c'est très bien, cette quête était magnifique. Alors. Ah bah apparemment on a fini cette quête-ci, donc ok. Est-ce que je peux lire cet objet là? Je pense pas, hein. Ah si. Bon ben on a appris le style argonien. Oh, on va pas s'en prendre, c'est cool. Compétences alors. Je regarde un coup les compétences que j'ai. Allez, je me gratte le nez. Là c'est la magie. À longue portée. Vous souhaitez un bonus de méga à 6% contre des ennemis à longue portée. Ouais, c'est pas top, hein. Bon, on va garder nos points pour le moment. On verra bien quand on les utilisera plus tard. Mais pour le moment, gardons nos points. Nous servira peut-être à d'autres moments, mais pour le moment je sais pas dans quoi les mettre, en fait c'est mon gros problème. Alors surtout pour moi. Je vous baise. Bon alors, il n'y avait pas le migrant, le SDF plutôt. Qui était là sur le côté en disant oh, personne ne s'occupe des étrangers. Voilà, dis ça. Bon, où t'es? Occupé de toi, moi. Être aimable. Oula, j'ai l'air moitié mort, toi. M'aider? Je suis le prochain sur la liste, j'en suis sûr.
Le prochain sur quelle liste? Celle des meurtres. Mes amis sont déjà morts. Mais la garde s'en fiche. Un mendiant de plus ou de moins, quelle importance pour eux. Mais si quelqu'un trouvait l'assassin... Où dois-je chercher en premier? Commencez par les ruelles du quartier marchand. C'est là que le vieux Jeanne a été tué hier. Le lieutenant Dubois vous donnera peut-être une récompense si vous faites le travail à sa place. Je ferai mon possible. Merci. C'est terrible d'être pauvre. On est invisible. Tout le monde nous ignore. Mais d'abord, j'ai quelques questions. Je vous ai dit tout ce que je sais. Dites-moi en plus sur les meurtres. Le gay a trouvé le vieux Jeanne la nuit dernière. La nuit d'avant, c'était Ron la Fripe. Quand l'un de nous meurt, ils accusent le froid ou la peste. Mais Jeanne et Ron étaient salement tailladés. À présent, ils parlent d'un loup. Un loup? Un loup dans la ville. Incroyable, non? Ah, un loup-garou peut-être, hein? C'est pourtant ce que pense la garde. Qui suis-je pour les contredire? Cela dit, m'est avis que ça ressemble plus à un meurtre qu'à l'œuvre d'un animal sauvage. Mais pourquoi quelqu'un tuerait des mendiants? Nous sommes partout. Nous sommes une proie ouais, facile. Effectivement, je dis comme ça. Certains ne nous aiment tout simplement pas. Faites votre choix. Effectivement, vu comme ça. Le meurtrier ne va pas s'arrêter. Il est brutal. Tôt ou tard, il finira par tuer des citoyens d'une classe plus élevée. Alors le guet agira. Au revoir. Alors... En même temps, je vais en profiter pour parler à la personne qui est là, voir ce qu'elle me veut. Ah, enfin réveillé. On se connaît. Salut Floriac. On a repêché à la mer. Le capitaine Kaline vous avait vu dans la baie d'Iliac. Ah bon? Il a dit d'aller la voir, si jamais vous aviez encore votre tête en vous réveillant. Mais si vous voulez filer... Je vous retiendrai pas. Où est le capitaine Kaline? Elle aide son équipage, Astro Semke. Le navire a assez de marins pour rester sur l'eau, mais c'est à peu près tout. Si vous voulez lui donner un coup de main, allez voir son bosco, Gilzir. Il est sur le pont. Mec, j'ai encore plus de mal changé. J'ai un problème de coupe PC. Oh là 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 là, mais le mec tellement maudit. En plus, maintenant si tu veux télécharger le jeu, il y a 7 gigas en plus. Parce que il y a le nouveau truc Morrowind. Donc il y a eu, tantôt j'ai eu 7 gigas de mise à jour à faire. Je vais aller parler au Bosco alors. Mais d'abord, on va fouiller les allées sud. Alors, l'épine dorsale de cet homme a subi de nombreuses torsions avant le décès. Son agresseur devait être doté d'une force titanesque. Ouh, ça sent les loups-garous, ça dis donc. Comme tu dis. J'ai créé un deuxième personnage qui est niveau 5 pour le moment. Un personnage qui est un... Comment on appelle ça? Un impérial templier. Donc il va servir de tank. Alors, Gavin Lamorph, qui es-tu? Partez d'ici. L'abomination vous tuera vous aussi. Dites-moi ce qui se passe. C'est un monstre, vous dis-je. Il hante les allées et lacère ses victimes avec ses griffes et ses crocs. Il va tuer tous ceux qu'il croise. Il y a le corps d'un homme dans l'allée sud, mais ce n'est pas un mendiant. C'est un de ses adeptes de sang grépine. Dites-moi en plus à propos de ce monstre. La bête rôde le long de la rivière et chasse dans les allées. Elle ne dévore pas ce qu'elle tue. Elle se contente de tout massacrer et d'abandonner le corps aux rats. C'est la malédiction de Camlorn. Je refuse de faire partie de ce maléfice. C'est quoi ça? Fils de pute. Putain, je voulais un impérial, mais fallait que la gold édition, justement, et toi, vu que tu l'as... Non, c'est pas la gold édition qu'il faut pour avoir les impériaux. Quand t'as la gold édition, t'as pas droit aux impériaux, il faut, en plus de ça, acheter l'impérial édition, ou alors aller avec des couronnes dans le jeu, avec 2100 couronnes, ça te donne, bon, la race impériale, plus le cheval, le truc de Mara pour se marier avec le personnage, et tout ce qui en suit, quoi. La malédiction de Camlorn? C'est quoi? Vous n'êtes pas au courant? Non, pas vraiment. Tout le monde en parle. Ah. La ville de Camlorn a été envahie par une armée de loups-garous. Ah, je l'avais dit, des loups-garous! Ne regardez pas comme ça. Je l'ai appris de la bouche de Damien et Fabien. Au revoir. Fils de pute quand même. Oh. Pas très très gentil, dis donc. Chantez, monsieur le garde. Tu
sûr pas d'arrêter. Oh, mais t'es une pute de t'arrêter ici, hein. Moi qui voulais m'amuser. Oh, triste histoire. C'était un monstre. Il a arraché la gorge de Guillaume avant de disparaître dans la rivière. Il était réellement... Ce monde était sauvagement déchiqueté. Des griffes longues acérées ont probablement fait ses entailles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était énorme. Oui. Le monstre est parti dans la rivière après avoir terrassé le pauvre Guillaume. Oh. Ah, effectivement. Bonjour. Moi, je crois que j'ai déjà commencé cette quête, mais je l'ai pas... Mais je l'ai pas faite. Ah. Cette pièce d'or, garde en pauvre vital. Oula. J'ai déjà commencé cette quête, mais je l'ai pas faite. Mais voilà, moi, elle est faite. On va aller parler au lieutenant Dubois. YOLO. Ah merde. Non, c'est bon. Vous êtes là pour commercer? Et là, bon, il me reste encore 2800 couronnes en fait sur vos comptes. Et j'hésite entre... prendre le truc pour que n'importe quelle race peut aller dans n'importe quelle alliance. Ou bien autre chose, je sais plus quoi. Ou acheter des petits trucs sur le côté. Et exécuté par le champion du roi. Tes souhaits. Alors, je n'ai jamais vu les habitants aussi troublés. Même les mendiants ont l'air nerveux en ce moment. Le nom du bois, c'est un officier en carton. Ouais, je suis déjà sur cette île, je me rappelle. Jamais vu ces habitants aussi troublés. Oui, les mendiants. Je dois vous parler de ces meurtres qui ont lieu dans les ruelles. C'était un loup-garou. C'est un loup-garou qui a tué les mendiants. Bah oui, je vais. Oui, je viens de le buter devant mes yeux. Je n'aurais pas dû ignorer Mathieu quand il est venu me voir. Prenez cette récompense, mais ne dites rien. Les gens sont déjà assez nerveux comme ça. Je vous promets de ne plus jamais ignorer les inquiétudes des pauvres. J'ai appris une dure leçon. Je ne tournerai plus jamais le dos à ceux qui sont dans le besoin. Ça va mieux, pas oui. Pas quand je serai de garde. Pas même les mendiants. Vous voulez parler de ces meurtres? Avec vous? Oui, bien sûr. Oui, avec moi, si je te demande de parler. Inutile de provoquer l'alarme sans motif. Que savez-vous sur la malédiction de Camlorn? Je dirais que c'est un tas de superstitions. Sauf que les rumeurs se renouvellent sans cesse. Ils disent que les loups-garous ont envahi Camlorn au nord. Vu la façon dont la garde du lion agit, il y a certainement quelque chose qui se trame là-bas. Avez-vous déjà combattu un loup-garou? Si j'ai combattu un loup-garou, je n'en ai jamais eu l'opportunité. Et j'espère qu'il en restera ainsi. La morsure d'un loup-garou transmet leur malédiction. Elle peut faire de vous un d'entre eux. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. T'es con, lieutenant, t'as pas vu un putain de loup-garou, ça fait 3 mètres de haut, du con, Au revoir. Bon, il faut que j'aille parler au Bosco, parler à Toumacha là, Toumacha. Bon, Toumacha elle est par là carrément. Allez, Pinada. Une grande ville ici hein, il y a de rien. On est où en fait? On est dans quel pays? Ah, on est à Grelumbri, un truc comme ça. Ok, non, je voulais pas. Non, Cyrodiil, c'est au milieu. Bon, heureusement que j'avais ça. On avait totalement oublié que j'avais ça. T'es à Cyrodiil? Non, Cyrodiil c'est c'est ici Cyrodiil. C'est vraiment au milieu, c'est la zone PVP, PVPE. Donc là où tu peux faire du PVP et en même temps te battre contre des monstres.
Alors. Non, ça m'intéresse pas. Bouteille d'alchimie, par contre, ça. Voilà. Plutôt intéressant à voir. Hein. C'est vous, Tumacha? Tumacha. Encore ces hampes florales fanées. Quel plaisir de vous voir sain et sauf. C'est Kaline qui m'a sauvé? Nous vous avons retrouvé, flottant sur l'eau. J'ai vu des cadavres qui avaient l'air plus vivants. Le capitaine Kalen a plongé et vous a repêché. Mais pourquoi j'étais à... Je sais que t'allais chez mieux, mais les bâtiments sont très impériaux. Ah, mais je crois que c'est parce que c'est une des zones de spawn des impériaux, quoi. Alors, c'est elle qui m'a sauvé? Qui est-ce? Le capitaine de ce vaisseau. Elle est à terre en ce moment, à la recherche de nouvelles recrues. Vous avez peut-être envie de la remercier, vu qu'elle vous a sauvé la vie. Qu'est-il arrivé à votre équipage? Les rebelles. Certains ont rencontré Cytis. D'autres ont fui, tels d'imbéciles peau sèche. Le capitaine Kalen dirige ce bateau. Je respecte mon capitaine et je suis resté fidèle pendant la révolte. Okay. Le bateau nous appartient toujours, mais tout l'équipage est parti. D'accord, ok. Vous et Kalen avez réussi à contenir les rebelles? Nous ne sommes pas seuls. Lambur, le second, ainsi que Kazan 5 griffes, sont restés avec nous. 5 griffes. Même la petite Nicolène a brandi une épée pour Kalen. Park Zout, elle est chanceuse d'être encore en vie. Cette adoratrice folle bénie du soleil. Qu'est-ce qui a déclenché la révolte? Le capitaine Kalen a annoncé à l'équipage que nous n'attaquerions plus les galions bretons. Tous les joueurs ont fait plouf. Donc si tous les joueurs doivent se faire repêcher par le capitaine, ben, ils ont qu'à se rester au bord de l'eau. Contrairement à l'équipage. Où est Kalen? Le capitaine Kalen. Je sais, elle me l'a déjà dit en fait. Poupi 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 poupi. Sortons d'ici. Alors... Bon, allons parler au Bosco là. Que les assassins de Sangrépine ont tenté de tuer le roi Casimir. Ouais, mais c'est bien ce que vous dites, ils ont tenté. Je veux faire un assassin. Mon sang d'assassin est en train de bouillir, ça fait trop longtemps que j'ai pas tué quelqu'un. On va aider la personne là à tuer son... On l'aide. Épaulette en lame magique, hop et voilà. Meurtre. Meurtre, il faut que je fasse un meurtre. Ta gueule. C'est bien vous. Oui, ça te prend souvent. C'est folle de rage. Ouais, c'est bien. Oh, toi, je peux pas te tuer. Je me permets de descendre, l'oiseau. C'est bien de tuer les gens comme ça.
Je veux rester dans mon rôle d'assassin. Assassin ninja. Ninja. Pouf. Avec délicatesse. J'ai l'impression qu'on m'a remarqué. Putain, que le 12 croit que c'est un loup-garou. C'est ce que j'ai fait. Bonjour, je ne suis pas du tout une personne recherchée. Puis-je me rendre utile? Pouvez-vous me regarder un... Je dois trouver le capitaine Kalen. Elle est sans doute à Strosemke, en train de rassembler un nouvel équipage. Si vous voulez, je vous emmène. Comment ça, un nouvel équipage? Il y a eu un différend vigoureux entre le capitaine et son ancien équipage. Tumasha connaît toute l'histoire. Elle est dans les ponts inférieurs, si vous voulez des détails. Oh non, ne m'envoyez pas voir les gardes. Oui? Puis-je me rendre utile? Oui, vous organisez un voyage. Où vous voulez aller? C'est un navire de commerce. On ne sillonne pas toutes les mers de Tamriel. Je cherche une aventure. Vous êtes déjà allé à Betnik? Je peux vous y emmener sans encombre. Sans doute. Bon, et pourquoi je dois lui causer, en fait, lui? Puis-je me rendre utile? Je dois trouver le capitaine Kalet. Sans doute à Strosemke, en train de... Emmène-moi à Strosemke. C'est là que j'avais spawné avec mon... C'est dans cet endroit-là que j'ai spawné avec mon impérial. À Strosemke. Sauf que moi je disais Stromske. C'est une impression, tu es morte, mais ce n'est qu'une impression. Tu vas pas te casser la gueule, mon siège, hein. Parlez au capitaine Kalin. Kalin, t'es où? J'en ai assez de cette île, Kalen. Je devrais être à Betnik à rendre visite à mon peuple. Réfléchis, Lambure. Comment y aller sans équipage? Bah... Ouais, je confirme. Les quêtes-là, je les connais. Regarde, Lambure. Je l'ai fait avec mon impérial. Le guerrier tient debout sur ses deux jambes. Nous ignorions si vous alliez vous en sortir. Vous m'avez sauvé la vie? Je vous ai sorti la tête de l'eau. Maître Kazan vous a aidé à respirer. Vous avez survécu, c'est l'essentiel. Ouais, on va dire mais ça. Si vous vous sentez redevable, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Quel genre de coup de main? Pour un travail. Tous ceux qui m'aident s'enrichiront. Pour le travail. Pour le moment, j'ai besoin d'un visage inconnu du chef Bozek, le massacreur en titre de cette île. Une personne qu'il ne pourra pas arrêter. Mm-hmm. En résumé, vous recrutez les personnes qui m'intéressent et vous empochez une partie du butin. Intéressé? Très bien, je vous aider. Je cherche trois personnes. Lerisa l'astucieuse, Yakarn et Neramo. Le mec infirmé. Les trois ou une partie d'entre eux feront l'affaire. Parlez-moi de Yakarn. C'est un voleur, le meilleur qui soit. Son aide serait précieuse pour le casque que nous prévoyons. Mais il a volé Bozek, et il n'aurait pas dû. Bozek l'a envoyé à la tombe, sous son palais. Je vais chercher sa cam, comment je trouve le... Sous le palais, près de la rivière, il y a une entrée. Gare aux pièges et aux autres prisonniers. On va essayer. Sont tous des meurtriers en bas. Les pires rendus de l'île. C'est la tombe. Vous pouvez repartir quand vous le voulez, si vous y survivez. Qui dirige Bozek, le sanglant, ou chef Bozek, comme il se nomme lui-même aujourd'hui. Il s'est emparé du palais il y a des années. Il a tué l'ancien souverain et il a pris sa place. Personne ne lui tient tête. Le capitaine Elan, mais elle est pire que Bozek. Ça ressemble à Tylan un peu. Ces dragons des mers dirigent Port des Saints au sud. La bande la plus meurtrière qui sévit sur les mers. Là où est-ce qu'il y a un truc l'astucieuse, hein. Bozek et Elan se tolèrent réciproquement. Aucun n'est prêt à la guerre. Où puis-je trouver à boire par ici? La sirène hurlante est juste en haut en fait, de la je m'en route. Fous, hein. On y trouve toujours du bon. En fait, je m'en fous. Je dois me méfier de quelqu'un. Les brutes de Bozek, les points sanglants. Si vous en contrariez un seul, vous les contrariez tous. Et Bozek empalera votre tête sur une pique avant que vous ne puissiez crier. Par pitié, ne m'empalez pas sur une pique. Mais tant de violence. Aussi, les dragons des mers vous étriperont si vous entrez dans le port des Saints. Où est passé le reste de votre Ils équipage? Ils ont déserté, les traîtres. Vous voyez, il y a une petite fortune à se faire avec les galions bretons. Mais le roi Farajad a ordonné l'arrêt des hostilités depuis que nous appartenons à l'alliance de Dag Filant. Bien sûr, en bon rouge-garde fidèle, j'ai obéi. Et votre équipage a désapprouvé? Si par désapprouvé, vous voulez signifier tenter de nous tuer, alors oui. Ah, bah effectivement. Une bande de mutins sanglants.
Lambure, moi-même et d'autres les ont chassés du bateau, mais la nouvelle s'est répandue. Nul ne veut naviguer avec un capitaine qui refuse d'attaquer les Bretons. D'accord, au revoir. Alors, on va rentrer dans la tombe. Allez-y si vous le souhaitez. Je ouais, resterai ouais, ici ouais, ouais, attendre ouais. Alors moi, si je me trompe pas, il y a un... Voulez-vous dire par côte égale ? Il me semble que là, quelque part, il y a un truc, la roue, les trucs bleus, là, qui donnent une énergie. Bingo ! Je suis trop fort ! On est à la queue le lent, en fait, on vient récupérer notre pouvoir. Du pouvoir. Tiens ! La 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 la, douta, douta, dida, douta. J'ai découvert la tombe. La tombe. On va aller aider le mec enfermé dans la prison. Trouver Jacques Arme. La 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 la. Bon, laissez-moi des trucs s'il vous plaît. Je veux des affaires. Je suis pas en Eozo plus pour rien. Je veux récupérer des ingrédients pour les mettre dans mon coffre à ingrédients. Pourrait m'être plutôt utile. Poupipoup. D'ailleurs, bon, je joue plus à Overwatch pour le moment, mais j'attends la saison, la nouvelle saison, la saison 5 qui va sortir pour pouvoir commencer à y jouer. Parce que là, en fait, j'ai pas su jouer pendant une semaine à un moment et j'ai commencé à... J'ai perdu plus de 100 points et ça m'a gonflé. J'ai dit, oh, c'est bon, je recommencerai la saison 5. Au moins, je perds pas mon... Mon truc, là, mes stades, là, je sais plus comment on les appelle. Mon SR. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un coup mon sac d'artisanat. À quel point il en est rempli. Où est-ce qu'est-ce que j'ai le plus là-dedans? Au moins, ça va avoir pas mal de choses, hein. Comment ça va avoir pas mal de... 127 lingots de fer. Oh, oh putain, 89 poux bruts. Ouais, ça va. J'ai plein de bazar. Vive ce... C'est sincèrement pour le seul truc que Eso Plus est vraiment sympa. À part ça, ça sert pas à grand chose quoi. Ninja! Oups. Je me suis pas du tout raté, c'est faux. Bon, par contre quoi, y a pas d'ennemis dans cet endroit? Bonjour, j'incarne. Hey, vous n'êtes pas un garde, vous devez m'aider. C'est le capitaine Kellen qui m'envoie, elle a besoin de votre aide pour son casque. Eh bien, c'est parfait. Sortez-moi de là et je serai à votre service. Vous découvrirez un homme plein de ressources. Si je voyais allez, un plutôt attirant enfermé dans une cellule, je le libérerai. Parce que tu crois que je te trouve attirant, je suis pas pédé moi. Avez-vous vraiment volé une gemme au chef Pozek? Quelle importance ça. Oui, j'ai pris cette gemme. Mais il l'avait volée à un pauvre marchand avant de l'envoyer mourir, ici même. Peut-on vraiment voler un voleur? D'accord, je vous ferai sortir. Sortez-moi d'ici. Bon. Je suis redevable. Ça c'est fait. Oui, oui. Non, sortons d'ici. Ouais, ouais, 2 minutes, hein. Oh, laisse-moi le temps de fouiller, voir s'il y a des affaires ou quoi que ce soit, des trucs intéressants, des trucs pour qui vont me permettre de servir pour les métiers. Bon, sortez des tombes. Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que tout le monde aura buté déjà tout le monde. Et donc, moi je vais me retrouver sans personne à buter. Eh ben dis donc. Il a presque pas gangbang celui-là. Bien le bonsoir, MR. Comment ça va dire? Bien. Attends, là il y a encore un truc là. Oh, de l'orange. Oui. De la métagia, je sais pas à quoi ça sert, mais je le saurai un jour. Pour le moment je récolte juste, on va pas me mettre dans les couilles.
Alors. Pas d'alcool, c'est mauvais pour ta santé. J'espérais pouvoir... On est un peu gang-bang quand même, hein. La pauvre. Bon, je vais bientôt stopper pour faire... Tu es ridicule. Et non. Alors, on peut pas plus, tiens, je te sonne, voilà. Des épées longues, des épées longues, ça m'intéresse pas les épées longues. Panier de melon, voilà, donne-moi des melons. Panier de maïs, vas-y, donne-moi du maïs. Alors, tonneau vide, tonneau vide. Bah ça va. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Bon, lui va me dire de toute façon qu'on peut pas aller par là, donc... voilà, bonjour. Nous ne pouvons pas aller par là. Mais pourquoi donc, dis donc? Irène est là-bas. Ah, la salope. Il y a des gardes, beaucoup de gardes. Écoutez, fuyons par les sorties latérales, c'est le seul moyen de préserver. Ok, bah allons-y, hein. Bon, d'habitude, je laisse les... Je laisse parler pour avoir toute l'histoire et tout. Bah là, en fait, c'est parce que je l'ai vraiment fait il y a pas longtemps. Merde, ici, c'est pour faire à bouffer. Alors, c'est par ici, de toute façon. Stross M'Kai. Tout même beau, hein, sans... Même ça, je trouve ça beau, putain. Juste faire ça. Bon, enlève tes mains de l'écran, j'aimerais bien faire un screenshot. Même juste ça, je trouve ça beau. Vous n'irez nulle Merci pas. De m'avoir. Épargnez-vous des tourments et payez pour. Merde. Rendez-vous. J'ai pourri du rendez-vous, je sais, merde. Je vais passer à... Je voudrais juste savoir récupérer la quête. Merci de m'avoir libéré tout à l'heure. Dites, comme vous êtes d'humeur héroïque, voulez-vous bien m'aider à récupérer un objet que j'ai laissé au gobelin? Vous avez confié un objet au gobelin, imbécile? Si vous voulez garder un objet en sécurité, confiez-le au gobelin. Ils le surveilleront gratuitement, ils sont trop stupides pour le marchander, et ils tueront quiconque tenterait de le dérober. Ne risque-t-il pas de vous tuer si vous essayez de le reprendre? Voilà l'idée. Vous avez traversé de dures épreuves pour me libérer, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Alors vous ne laisserez pas les gobelins me dévorer. Mon bon ami, vous m'accompagnerez jusqu'à leur mine. Pas vrai? D'accord. Par ici. Vas-y, je te suis. Je me retrouverai à la porte. Quel enculé. Oui. Alors ça, des pièces runiques, pierres runiques. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous là? Des gobelins. Ils vont tous nous massacrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué tout le monde.
mes frères et 5 gardes. Je sais pas s'il faut rentrer dans le donjon, ça ne marche pas. Ils m'ont transpercé de leur lance et m'ont laissé pour mort. J'ai rampé jusqu'ici quand ils sont partis. Leur nouveau roi leur a monté la tête. Ils s'apprêtent à attaquer Port Hunding et raser la ville. Que puis-je faire pour vous aider ? Tuer leur roi. Ils n'attaqueront pas la ville sans leur meneur. Okay. Apportez-moi sa couronne comme preuve de sa mort. Je vais essayer d'atteindre la ville, à moins que les gobelins me tuent. Ok, bon occupe. Je dois réunir mes forces et boitiller jusqu'en ville. Attrapez ce roi gobelin et apportez-moi sa couronne, si vous en êtes capable. Comment êtes-vous tombé sur des gobelins ? Nous les avons cherchés, vous pouvez me croire. Ah ben ça aussi. Nous avons appris que leur nouveau roi semait le trouble. On pensait pouvoir les maîtriser, mais ils étaient bien trop nombreux. Excusez-moi, je me grattais. Pourquoi ne pas prévenir la ville, tout simplement ? Mauvais plan. Bozek ne me croira jamais. Ce rustre méfiant pensera que nous le manipulons. Il se servirait de nos têtes comme trophées sur des pics. Je tiens trop à ma tête pour prendre des risques. Comment réagissez-vous si j'allais voir le roi ? Je vais essayer d'aller en ville. Je suis trop grièvement blessé pour vous aider. Et si les gobelins m'attrapent, je suis mort. Ah, ok, effectivement. Au revoir ! Bon. Alors. On va stopper... la première partie du live là tout de suite, je vais en profiter pour pisser pour un coup. J'en prends le live après, en même temps ça fera un épisode pour YouTube, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau live, tout de suite le live de toute façon. Et une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss et à tout de suite sur Twitter.